Allô Sim, j'écoute. Qui est à l'appareil? Allô Sim, c'est Patrick Topalov. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Je veux redanser. Hein? Quoi? Comme Travolta. Ah bon, encore? Pour que les nanas me retombent dans les bras. Oh merde. Alors style genre, on remet ça. On remet ça quoi? Et retrouve-la moi. Quoi donc? Bah, qu'est-ce que tu veux que tu te retrouves? Bah ma chemise grise. Oh, ta chemise grise. Oh la vache. Je l'ai pourtant bien rangée. Pour la première fois en DVD, retrouvez le meilleur de Patrick Topalov et Sim chez Marianne Melody. Des retrouvailles exclusives avec 2 heures de rire et de chansons populaires. Où la timise? Où la timise? Où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que je l'ai mise? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Si tu la trouveras, en gamme. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le poids du ventre bien tendu. Merci petit Jésus. Allez, be good. Souffler dans le ballon, c'est agréable. Souffler dans le ballon, c'est bon. Et puis l'envoyer là-haut dans les nuages. Souffler dans le ballon, c'est formidable. La semaine des quatre jeudis. Pour la semaine des quatre jeudis, écoliers de tout pays, inscrivez-vous au parti de la semaine des quatre jeudis. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Si tu veux me ressembler, faudra te faire opérer. Petite libellule ne peut pas s'apprivoiser, car elle a des ailes majestueuses. Ce sont les carabiniers de Castille, oh. Habits et galants aurait pu t'envier. L'un de ma dit je te trouve gentille, et je n'ai pu résister à tous ces baisers. Et dans ce DVD, retrouvez également le meilleur de la baronne de la tronche en biais et des grosses têtes. Excusez-moi, mais vous ne m'avez pas reconnu? Hein? Je suis la baronne de la tronche en biais. Je suis la baronne de la tronche en biais, regarde. Pourquoi? Madame de la tronche en biais. Enlevez votre main de là. Mais non, je débloque le frein, vous l'oubliez toujours. Oui, c'est ça, puis après on se retrouve dans le bois de Boulogne. Il y a un routier qui est dans son camion, il conduit, il met France Info et il entend... Nous venons d'apprendre qu'un engin extraterrestre se serait posé. Cet engin extraterrestre s'est ouvert et a donné liberté à des petits hommes rouges. Il en met une autre radio et tout d'un coup, il voit le petit homme rouge. Il s'approche. Il dit, moi, je m'appelle Marcel et je conduis un camion. Et l'autre lui fait, ouais, je m'appelle Albert et je suis en train de chier.